Nous qui avons connu de la misère,
allons passer au culte. Nous allons prendre quelques minutes de chanter, d'adorer et d'écouter la parole du Seigneur. Et nous vous demandons de vous recueillir ensemble avec nous à la mémoire de notre maman Pauline, surtout que pour soutenir notre sœur Téclair qui est là. On est vraiment venu la soutenir. Il y a des associations, il y a la famille, il y a des amis. Donc, nous vous demandons vraiment de vous recueillir, de nous recueillir pendant que les chants, ils vont entamer des cantiques d'adoration. Si vous connaissez les chants, chantez avec nous. Adorez Dieu avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Yes. Nous voulons commencer par la prière. Prions ensemble avec nous. Dieu très haut, nous te disons merci. Seigneur, nous voulons remettre ce moment entre tes saintes mains. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ton Esprit Saint. Que la force du Saint-Esprit soit avec nous, Père. Aujourd'hui, qu'ensemble, avec nos bien-aimés, nous sommes venus pour pleurer encore une fois, rendre hommage à notre maman Pauline, que tu as appris auprès de toi, Seigneur, au sein d'Abraham. Père, te disons merci. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments forts. Nous confions le reste des programmes entre tes saintes mains, la nuit entre tes saintes mains. Laisse que tu sois maître dans ces moments, Père. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il vous plaît. Tous les bien-aimés qui se trouvent dans ces lieux,
responsable. Je sais bien que vous êtes responsable. Si vous avez laissé vos maisons afin de venir dans ce lieu, vous n'êtes pas venu par le plaisir que nous puissions voir. Et c'est pour la cause d'une chose importante que nous sommes réunis dans ce lieu. Si maman Pauline ne nous avait pas laissé, je suis sûr que nous tous ne nous allons pas nous retrouver dans ce lieu. Il y avait une nouvelle que nous devons écouter. Maman Pauline, c'est celle qui t'a enfanté. Et peut-être ton gendre. Parfois tu la connais. Mais quand tu as entendu cette nouvelle, maman Pauline nous a abandonnés. Ce n'est pas un sujet de joie. Les bien-aimés qui ont une Bible avec eux peuvent l'ouvrir. Ceux qui n'ont pas leur Bible, il n'y a pas de problème, mais cela ne va pas nous empêcher de parler de la part du Seigneur. Chapitre 3. Je vais prendre le livre d'Ecclésiaste. Je lis au nom du Seigneur, Ecclésiaste chapitre 3. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Deuxième verset. Ecclésiaste chapitre 8. Le deuxième verset, c'est dans le livre d'Ecclésiaste 8. Verset 8. Verset 8. Je lis au nom du Seigneur. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. Nakoloba moué. La mort peut atteindre même au travail. La mort peut attraper en cours de route. Voilà pourquoi la Bible dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour que l'homme puisse naître. Il y a un temps pour que l'homme puisse mourir. Que je monte ou que je descende, il faut que je rentre sous la terre. Ils sont appelés
quelque chose à ajouter. Parce que vraiment, je ne savais pas vraiment que j'avais vraiment la famille, des gens qui pouvaient m'assister comme ça. Là. Quand ma maman était vraiment n'était pas vraiment pour moi seul. Vraiment, je remercie. Je remercie tout le monde parce que je n'ai pas vraiment de moral. Je remercie tous ceux qui sont venus m'assister, qui sont venus essuyer mes larmes, qui m'ont assisté de loin et de près. Que tous ceux qui sont venus m'assister, comme ils sont venus, Seigneur, que si il y a n'importe quoi qui est en route, vraiment, que le Seigneur ouvre la route et rentre comme ils sont arrivés. Donc je remercie tout le monde, je remercie toute la famille, je remercie tous les soeurs. De discours, mais bon, juste pour vous dire merci d'être là et bonne soirée. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui. Maman Tchango Pauline a eu beaucoup de petites filles, donc je veux passer la parole à l'une d'elles qui a aussi un petit témoignage pour nous. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me présente Rudy. Je suis la deuxième fille de Maman Técler. Je suis très contente que vous soyez venus si nombreux nous soutenir pour le décès de notre mamie qui est partie en mois d'août. Je suis très contente de savoir que nous ne sommes pas seuls en Belgique, que nous pouvons compter sur beaucoup d'épaules pour tenir nos têtes quand on a vraiment besoin de soutien. Franchement, merci vraiment que le Seigneur puisse vous combler de ses grâces et de ses bénédictions tout au courant de cette soirée et surtout qu'il vous raccompagne sans aucun mauvais incident en route. Que vous soyez bénis. Je me présente, je m'appelle Meshoub Kelly, je suis la dernière fille de Madame Técler. Et je vous remercie énormément d'être venus nombreux au deuil de ma mamie qui est partie plus précisément le 25 août dernier. Que le Seigneur vous campe et vous accompagne dans vos maisons. Amen. 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 C'est énorme. C'est énorme. Donc les choses vont continuer. Il y aura le témoignage des associations. Et à tout seigneur, à tout honneur, et comment faire honneur aux femmes. Nous allons commencer par le témoignage de la représentante des femmes Bamundjou, si elle est présente. La représentante des femmes Bamundjou. La femme, c'est l'honneur de l'humanité, on leur fait honneur. Vous avez la parole, madame. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, je suis la représentante des femmes Bamundjou. Voilà, nous sommes ici ce soir pour célébrer notre épouse Técler, avec qui nous avons partagé tous ces moments de deuil. Nous avons vécu le deuil de maman ensemble, nous avons tout fait ensemble et ce soir vraiment on est là pour conclure les choses comme il se doit. Lui pas, nous sommes là, on est présent. Une fois qu'il arrive, on sera toujours là, toutes pour une et une pour toutes. Donc voilà, que tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui, merci d'être là, merci de venir nous soutenir et puis que le Seigneur nous accompagne tous comme il nous a amenés, de la même façon qu'il nous accompagne tous et qu'il bénisse chacune de nos maisons. Bonne soirée. Je vous remercie, s'il vous plaît. Applaudissements. Applaudissements. Et on va continuer. Il y a beaucoup de familles qui sont représentées ce soir. On va continuer plus précisément avec la famille Balin qui est fortement représentée ce soir. Donc, le mot du président de l'association Balin. Merci.
Abébé. Abébé. À la famille Akam, femme Bamanjo, notre famille André. Après ici, grande prédication comme le pasteur vient de faire tantôt, je crois qu'il y a plus grand chose à dire. Il nous a dit, trouvons Jésus et nos problèmes risquent de trouver des solutions. Donc, moi, je suis le président de l'association Valérie de Benelux. Donc, tout ce qu'on va faire ce soir, on va juste soutenir notre famille éprouvée. Et je tiens à préciser que nous, la famille Balen, nous sommes très fiers de savoir que, très contents de savoir que notre mère, notre reine-mère, Mambo, Mambo, est très soutenue en Belgique. Parce que quand je vois la mobilisation de l'association Akam, la mobilisation des femmes Bamandjou, ça veut dire que nous, la famille Balen, qui croyait que tout ce poids du deuil sera seulement sur nos épaules, nous sommes un peu rassurés que la veillée va bien se passer parce que nous ne sommes pas les seuls à pleurer le deuil, nous ne sommes pas les seuls à porter le deuil. Donc je remercie encore tout le monde présent ici et que la soirée se passe sous la bénédiction du Christ et que tout le monde rentre chez lui dans de très bonnes conditions. Je vous remercie et bonne soirée à tous. On va continuer. Sachez que j'ai omis de vous le dire. Mavro Mambo, dit clair comme vous l'appelez, c'est une reine à Tchanda, une très grande reine, et qu'elle est soutenue par beaucoup d'associations. Donc c'est elle que je vais appeler le représentant tout à l'heure, le représentant de Akam, pour un témoignage. Pour un témoignage. Parce qu'il faut que toutes les associations se présentent, tous ceux qui sont là. Donc, sous vos ovations, le représentant de l'association Akam, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, chers invités. Femme Menjou, APB, Balin. Akam. 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 Je pense que je prends la parole ici au nom du président qui a empêché, il va arriver. Et d'un moment à l'autre. C'est pour d'abord au nom d'Akam adresser nos sincères condoléances une fois de plus à la famille ici éprouvée. Vous savez, c'est le chemin de tout le monde et au sein de notre association, nous avons traversé beaucoup d'étapes en cette année 2016. Nous pensons seulement, comme l'a dit le pasteur, de nous rapprocher plus de Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Je crois que c'est le message que le pasteur a voulu passer. Et au sein d'Arcan, nous essayons de faire au maximum. Et je pense que c'est le pourquoi nous sommes ici ce soir. Donc une fois de plus, je ne veux pas être long, mais les précédents orateurs ont beaucoup dit. Je souhaite à tous ceux qui sont venus de près ou de loin, à tous les invités ici, que chacun puisse regagner sa maison dans de bonnes conditions. Et à titre personnel, je voudrais adresser un mot de remerciement à tous ceux qui sont venus ici. Et je vous souhaite aussi un bon retour. Merci et bonne soirée. Merci sur vos applaudissements. Solidarité, aimons-nous les uns les autres. Cette solidarité est importante dans la communauté. Je suis vraiment, une fois de plus, ému quand je vois que dans le milieu camerounais, quand quelqu'un est éprouvé, il a des gens, des associations autour de lui. Franchement, je suis vraiment touché. Donc, on reste dans le terme solidarité, aimons-nous les uns les autres, soutenons nos frères et sœurs quand ils sont dans la détresse, dans la tristesse et dans le malheur. Encore, merci. Applaudissez pour vous. Applaudissez pour vous. C'est quelque chose de grandiose. On ne voit pas ça partout, ça c'est sûr. Je suis très 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 content d'être au Camerounais. Merci. Thank you.
je suis ma fille quand tu jettes comme ça. Je suis ma fille quand tu jettes comme ça. J'ai peur non. Thank you.
fais le tour, continue à faire le tour. C'est clair.
Oh, la 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 la
Merci de m'avoir passé la parole. Je voulais juste dire merci à toute la communauté camerounaise qui s'est déplacée pour un dernier hommage à la mère de Solange Tekker ici à Bruxelles. Donc vraiment, mes remerciements vont particulièrement à l'association des femmes en Afrique de Bruxelles, à l'ARCAM, c'est-à-dire Arc-en-Ciel du Cameroun. Ensemble. Et je peux dire que bon, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc j'ai toujours dit à Tekker de toujours penser que c'est le Dieu seul qui décide. Et comme on dit dans le jargon que le crayon de Dieu n'a pas de bon, nous sommes là ce soir pour remercier Dieu d'avoir fait ce choix et lui dire de penser à nous qui sommes aussi comme des mortels. Et aussi de penser que demain ce sera notre tour et que nous devons rester solidaires et croire en Jésus-Christ comme le pasteur a dit. Merci. Tundongue, vous êtes Tundote. Vous êtes Tundote, Chicola, donc si on joue un peu Hélène, Gogne, voilà. Et pendant un sport, même tiens. Mais oui, ma bande, mais il y a des gens qui ont été bien dit. Mais nous, je suis là, nous avons dit, c'est pour Pierre, c'est Mary, c'est quand même pour nous. Bon, oui, pour que tu aies un bon, tu aies un bon, tu aies un bon, tu aies un bon, mon wepo, tant que mon délai. C'est mon manga, vraiment. La pala, ou beau choba, le tout est dans le bout de Yahoo, ou une washwala. Manga tétula, et neuf chinjabio. Net tétula, et fa femme, fa au tant que fa, et chipen, et fa au capen. Le bon de mes, les nouva, et les linzen et tango, beaucoup pay. Non, que nous sommes pour le monde. C'est pour le monde. Nous sommes pour le monde. Nous sommes pour le monde. Nous sommes pour le monde. Pas là, nous sommes pour Bruxelles. ABB. Pour Ganenga. Pour Londres. Pour Paris. Pour Suisse. Nous sommes pour le monde. Nous sommes pour le monde. Nous sommes pas pour tant de choses. Nous sommes là. Et 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 nous sommes là. Je ne savais pas que ma mère était venue reine jusqu'en Belgique. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que ma mère est une grande reine de partout. Maman, tu représentes. Avant d'être la femme de mon père qui s'appelle Fonja, en tant que le fils de la fille de Top Mother de Fonja, un grand notable de Kunti. Vraiment de Dieu, elle a enterré 8 enfants, elle a fait 12 enfants, elle a enterré.
enterré 8 ans. Mais aujourd'hui, je vois que ces enfants-là qu'elle a enterrés, vraiment... sont vivants. Sont vivants, avec tous ceux que moi je crois qui sont venus m'assister. C'est une grand-mère qu'elle a enterré ses 8 enfants, elle a laissé 4. Et les quatre ont 11 petits-fils et 13 arrière-petits-fils. Et moi je suis la plus grande. Et je remercie. Et je veux que le bon Dieu tout-puissant prenne ma mère qui met à sa droite. Merci. Partir autour du monde, chercher l'amour qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, il y a une flamme qui s'endort. Où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois. La vie t'appartient. I believe, I believe in you. Oh yeah, I believe in you. Solo nati omo temati. I believe in you. Una e mio pochico come io. Comme l'éclair, on n'a pas peur du tonnerre. On peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Construire sur du sable, c'est un château sans espoir. Pour le temps qu'il nous reste, donner le meilleur de soi.